après, bon, il en reste, mais pas tant que ça, hein. Si on voit très bien. Sinon, il y a la poche à douche et la poche à douille à usage unique, plastique, là j'en ai. Ça permet de racler encore plus. Oui, bah, parce que là on peut l'ouvrir et. Ouais. Parce que là on ne peut pas vraiment l'ouvrir. Ah bah non, vous raclez de l'extérieur. Oui, ouais, non, mais c'est surtout on racle en. Oui, en passant la main, quoi. Ouais. Oh non, non, t'as dit. Bah, vas-y. Voilà, la pièce et la poche à douche. Il y a eu un échec. La douche. Odile. Surtout, j'aime bien les sœurs. Il en reste la moitié. Là, les oui, parce que je suis allée parce que tu voulais continuer. Allez, on enfourne. Ah, j'en ai oublié un, le petit tour. En fait, on peut faire avec des moules, on peut faire des formes à volonté. Ah bah non, mais on peut pas faire dans un moule là, parce que sinon il n'y a pas le biscuit Ah oui. Il n'aura pas la bonne forme. Ouais, mais si on cherche à faire d'autres formes. Ah oui, mais a priori ça se fait pas cuire dans un moule ça. D'accord. Parce que même les gros macarons, on les fait comme ça. Même les très gros. Ils sont pas mal ces macarons. Rapidité. Non, là, ça y est. On ne prenne pas. Bah ouais, j'ai entendu on en fourne alors. 10 à 12 minutes. On en fait quoi de nous, il nous en reste de la pâte. Eh ben on va continuer. Là on va faire une deuxième plaque. Hein. Là on vire les papiers, on finit, on tape un coup, on met au four. Hein. Il y en a un qui manque là. Là normalement on fait deux plaques je pense. Tu veux que je t'aide, Olivier ? Pas sûr de pouvoir vraiment. Ouais. Faire une ligne comme ça. Et en mettre moins sur le bord pour pouvoir avoir du jeu. Ok. Donc là, je vais te faire la ligne. Bon. Attends ça. J'essaie.
C'est bon, c'est fini. Nickel. Bon, allez, on va laisser ça comme ça. Pour qu'on ait un peu de jeu. Voilà, faut pas la prendre trop grande. Ça aille bien juste au fond. Avec la robe. Ah, moi je veux bien essayer ça après. Elle n'a pas le même toucher. Ah oui, effectivement, il faut beaucoup plus appuyer dessus. Ouais. Là, il faut beaucoup plus la contrôler en fait. La robe. Non, mais facile avec celle-là. Ben oui, c'est ce que je dis, avec la tienne, c'est beaucoup plus dur. On va bien en faire une bière quand même, juste pour le principe. Allez, dernier essai. J'arrive bien à fermer. Oh, c'est magnifique ça. Il est pas beau ce petit escargot magnifique. Là. Magnifique. Trop fort, Alice. Allez, Marie. Alors, je fais un coup ou deux. Si quelqu'un me prend la relève, hein, Mais quelle rapidité. Alors, voilà. Ça sent les deux côtés, j'ai l'impression, non? Oui, il y a des deux. Ouais, mais il y a des deux trucs qui s'est mis en route. Voilà, c'est pas mal, non, hein, ça. Magnifique. Je le passe après. Je comprends que pas, c'est ça? Ouais, je peux le passer. À vous. Ça fait une semaine que tu dis, ah, t'es des macarons, t'es des macarons. Vite, je vais épater les collègues. Allez, je finis la... C'est moins bien que l'autre, hein. Ça pique moins, hein. Moi, je dis tout à l'heure, il était magnifique depuis vachement. Moi ah. Oui, toi. Oui, c'est vrai, allez, mais c'est parce que... Parce qu'on doit... confiance. On doit aller manger après. Je vais essayer d'en faire un là, mais même s'il n'est pas... Ça reste correct. Et là, il en reste, hein. Oui, bah, il faut rechanger la plaque. Ah oui, non, pas ça. Non, non, mais ça. On enlève ça. On va se repréparer une plaque et ça, il faut rapidement le mettre au four. Ok. Oh, un cheveu. Un cheveu indésirable. Allez, il faut la taper un petit coup. Comme ça. Tout par terre. Plus fort ? Ouais, plus fort. Voilà, au four, voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Au four de gauche.
Attention, tout sur la droite. Ah non, mais... T'as vu un tout petit peu sur la droite, si tu peux pas. La droite, c'est aussi... Non, j'ai une crainte. Voilà. Attends. Ouais, il faut la soulever. Pour pas du bord. Voilà. Alors 10 minutes, parce qu'il y a une horloge. Ah, je peux prendre mon timer, non, c'est bon. Pardon. Non. C'est... Je dois m'adapter à vos travaux. Alors... Hélène, tu veux faire un peu celui-là? Comme c'est pas le même. Voilà. La pâte est plus liquide. Et puis c'est plus... Voilà. La pâte est plus liquide et comme la toile est huilée, et voilà, ça, ça glisse. Ah. L'intérieur de la douille, ça, la poche, elle est... Ouais. C'est bon. En fait, ça, c'est... On prend un sac de congélation et on coupe un coin, c'est ça? Oui. Bon, ouais, ça marche très bien. Oh, il est beau celui-là. Alors les premiers, on les a mis à quelle heure? 10. Dans une minute. Ah, les premiers. Une minute. Et les deuxièmes, j'ai mis un timer. D'accord, très bien. On va peut-être ouvrir pour regarder. Ouais, les autres, il reste 8 minutes 35. Oh, c'est pas mal du tout, on a une belle collerette. Ouais, il y a une collerette. Pour un petit chouïa. Et là, il y en a aussi. Ouais, mais on les a mis à 2 minutes. Ah, d'accord. Ils ont des collerettes. Bon. Ils ont des collerettes. Ouais, c'est bon signe. Comment faire pour faire un tour des parties lentes? On enlève l'eau chaude. On n'enlève pas, on enlève l'eau chaude. C'est pas mal ça. Bravo! Mais bon, moi j'ai déconfiné mon sel en fait chez moi. Ah ouais, alors là, après. On prend de mauvaises habitudes. On en a encore, hein. On en a encore la pâte. Eh ben. Faites-la à plat. Faites-la à plat direct sur le mât, comme ça on transvasera sur la plaque quand elle sera prête. Eh bien, on ne va pas le faire sur une plaque, on va le faire directement avec notre modèle sur le marbre. Comme ça, après, on tirera le sulfurisé sur la plaque. Ok, vous en restez ? Non. On ne mettra rien en dessous. D'accord. On va juste le mettre comme ça. Ah, d'accord. Là, ça fait 10 minutes sur la première plaque, Hélène, t'es d'accord? Oui, ouais. Ça fait 10 minutes pour le sortir. Là. C'est 10 à 12. Hein. Ah. Le ménage des règles. Ça m'a l'air très bien. Hein. J'en ai mal mis, là. Oh, c'est ça. Oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est super. Oh. Les orchons. Ouais. Ils sont trop beaux. Ah. Après, la question, c'est on dirait des macarons, c'est dingue. Hein. Voilà. C'est fou, hein. Alors, là, on va prendre les deux grilles de pâtisserie qui sont là-bas. On va vite les mettre sur les grilles. Voilà. Voilà. Non. Non, là, il faut les sortir. Il faut peut-être attendre 2 minutes. Ah, attendez. Deuxième fournée pour les chocolats. Non, stop, attendez 2 minutes. Ok. Ils sont trop chauds.
faut taper la pâte. Ah bah j'ai pas besoin de mettre la gueule. Là, allez hop, qu'on enfourne. Ah, faut pas avoir peur de taper. Hein. Allez, c'est parti. Je ne veux pas taper mon jeu. Alors il faut le mettre ici. Non. Non mais là c'est le travers. Ah il en reste plus. Quelqu'un a l'air juste là-haut. Non, il y a pas juste 23. 23. Mais celui-là, c'est parce que je l'ai découlé en premier. D'accord. Ah bon ? Mais bon, s'il y a un petit trou, c'est pas grave, parce que comme ça, on met plus de garnis. Oui. Alors, au fur et à mesure que vous l'aidez... Parce qu'après, on le met avec... Oui, les oui, non, ça se voit pas. Donc, on fait un petit... Ça, c'est le... Oui, ça, c'est l'extérieur. Oui. Ça, c'est l'intérieur. On fait ça ? Oui. On tasse un peu l'intérieur, comme ça. Voilà, c'est ça. C'est la technique de la gourmande. On fait ça normalement. Et on les met dans quelque chose. Les pistes tiennent bien. Alors normalement après on les alterne sur le marbre. J'ai une ligne. Allez, on va garnir direct. On va prendre une poche à douille jetable. On met la ganache. Hop, alors, on va pas faire les deux. Et ensuite, on fait une ligne. Une ligne de retourner. Et on essaye de les appareiller un petit peu. Quoi. Celui-là, il va bien aller avec celui-là, etc. Ok, donc on enfourne un, c'est le couvercle, c'est celui qu'on va mettre par-dessus. D'accord, mais on n'en remplit qu'un des deux. Bah oui, mais je n'en remplis qu'un des deux. Oui, on n'en remplit qu'un des deux. D'accord. Donc j'essaie de trouver lundi avec mardi, quoi. En gros, c'est ça. Enfin, pas lundi avec mardi, justement. Non, plutôt lundi.